L'avion est au rendez-vous, décollage dans un instant. Qui va remporter ce duel? Restez bien avec nous pour le savoir. Hello tout le monde, quel plaisir de se réunir ici pour ce match. Nous avons l'honneur de vous donner rendez-vous au Tottenham Hotspur Stadium. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition. Ah, il peut frapper, la sonne, paradon de Keylor Navas. Alors, le 11 de Tottenham, Kulusevski sera avec Heung-Min sur les ailes. Et pour terminer, donc, Richarlison en attaque. Et oui, ça, c'est de l'action. Ah, le ballon traîne, attention. Ouais, le ballon sort en corner. Vers le point de pénalty. Pas vraiment de danger, là, sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Très bon timing sur cette interception. Attention, voilà un bon duel. Excellent, le geste défensif là. Et bien donné en profondeur. Il y a une position de hors-jeu signalée, c'est sifflé par l'arbitre. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Heung-Min sur l'aile, il peut avancer. Heung-Min vers le cœur du jeu. Et ça peut être dangereux. C'est fait! Le but d'Heung-Min! C'est ça le bonheur! Regardez! C'est ça la joie! Le ballon sur bol, hein, on le revoit, il vient rouler, presque caresser la base transversale. Finalement, ça rentre, c'est parfaitement validé par la vie. Les Kanguine, Zahir Emery. À la réception de Nuno Mendes. Le ballon pour Marco Asensio. On cherche le second poteau. Ballon loin devant. La défense écarte le danger. Ça. Richarlison. La passe pour Richarlison. Ouais, Richarlison, il a vu son partenaire. Ouais, c'est sifflé hors jeu. Bon appel, mais la passe s'est faite un petit peu attendre. Et oui, l'art de l'ouverture, c'est de l'horlogerie. Il faut être pile à l'heure. Ouais, bonne progression, balle au pied. Ouais, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Destiny Udogie. Ballon pour Heung-Min. Bissouma. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Une possibilité là pour centrer. Le ballon est dégagé. Et la passe est complètement ratée. Face à face avec le gardien. Le but, l'égalisation du PSG. Quelle réaction des Parisiens. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile. Mais c'est rendre les choses simples, c'est ça le vrai talent. Heung-Min. On lève la tête là, peut-être un centre. Allons pour ça. Elle a frappé contrée.
Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Marco Asensio, dépossédé du ballon. Et c'est pour Hugminson. Attention pour mener au score peut-être. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cas. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Et c'est intercepté, ça. Ouais, ballon pour une frappe. Et le gardien s'illustre bien. Ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Lucas Hernandez. Likanguine. Le ballon donné dans le dos. Tacle dans la surface. Et voilà, un ballon récupéré. Allez, Tottenham avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Kulusevski reçoit la balle. Bonne intervention du gardien. À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. On s'est donné en retrait. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. Le ballon pour Madison. Ça. Avec Richarlison. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Madison. Allez, c'est donné dans l'espace, en profondeur. Hugminson. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Le ballon pour Kylian Mbappé. L'occasion de prendre l'avantage. Ah, super le réflexe du gardien. Ça va vers le point de pénalty. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Un ballon bien travaillé sur ce centre. La reprise de la tête vient raser la transversale. Les chiffres disent la même chose que nous. C'est un match frénétique. La balle va d'un côté à l'autre. Elle fait des allers-retours sans arrêt. On a la tête qui tourne. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Mbappé la frappe. But pour le doublé. Quelle réussite, quel sens du but. Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Ce but arrive un peu contre le cours du jeu parce que l'équipe était soumise à une grosse pression. Finalement, sur une seule occasion, ils arrivent à faire quelque chose. Son. Et c'est pour Hugminson. Hugminson. Le match est complètement fou avec cette égalisation, quelques secondes à peine après avoir encaissé un but.
que d'émotion dans ce match. Un nouveau rebondissement. Le scénario est vraiment fou. On se régale. Li Kangming. Et c'est pour Lucas Hernandez. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Zaïre Emery. Le ballon pour Nuno Mendes. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et oui, la bonne passe en profondeur. Long ballon aérien, la défense se soulage. Dejan Kulusevski sur le côté, Tottenham a de l'espace. Li Kangin. Il y a un contre possible à jouer là. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Bien joué, il efface son vis-à-vis. Oh oui, la frappe. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené, mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité. Et le pressing sur le porteur. Et le danger dans la profondeur. Le point de pénalty. Le ballon est dégagé. Ah, la frappe longue distance. Facile dans les bras du gardien. Et ça a l'air bien dosé ça. Mbappé qui cherche l'espace. Ah, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Richarlison en direction de Sarr. Le ballon finit dans leurs pieds. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh, la tentative lointaine et la belle parade là. On est dans la surface. Attention, la frappe dans les bras du gardien, sans difficulté. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et c'est bien donné dans la profondeur. Mbappé, bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Et ça n'ira pas plus loin. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Heung-Minson en très grande forme aujourd'hui. Le retour des vestiaires avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et le gardien qui écarte bien le danger. Nuno Mendes qui renvoie. Madison avec la balle. Et le ballon qui est perdu. C'est pour Kulusevski. Possibilité là pour centrer. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Bissouma.
Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ouais, c'est bien fait ça. Oh, la tentative! Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort! Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Mbappé. Une reprise, ce ballon de Kylian Mbappé. Bissouma. Madison. Et la grosse intervention là. Avec Kylian Mbappé. Ouh, c'est contré, in extremis. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et c'est pour Hugginson. Il faut revenir en défense sur ce contre. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Le ballon pour Marco Asensio. Et c'est une remise en jeu à venir. Kulusevski. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Kulusevski reçoit la balle. Tacle dans la surface, c'est très bien défendu. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, donc penalty. Le centre d'Mbappé. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Ça rend fou le football. Sur son banc, sa frustration doit être énorme. L'engagement donné par Tottenham, il faut réagir après ce but encaissé. Le ballon pour Hodgkinson. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Richarlison reçoit le ballon. Facile dans les bras du gardien. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Attention pour égaliser. Et le gardien était bien vigilant. Et l'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Voilà, changement donc. Zahir Emery. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Oh oui, la frappe. Oui, bien défendu. Et ça repart pour Tottenham. Dejan Kulusevski. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Et le tir. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Dans un tel angle, il y avait sans doute mieux à faire que de frapper. C'est bien de prendre ses responsabilités, mais il faut savoir garder la tête froide. Un peu de coaching avec ce changement.
Avantage laissé à Paris après cette faute. Mbappé. Ballon pour Lucas Hernandez. Le centre dans la surface, il y a du monde. Ballon facile pour le gardien. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Allez, la jolie passe dans la profondeur. La bicyclette, c'est bien beau, mais elle fait juste le bonheur des photos. Ça passe très loin. Le geste est de toute beauté, mais la frappe n'est même pas cadrée. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Madison. Quelle ambiance incroyable! Le public fait sa part de boulot pour pousser son équipe. Il faut à tout prix marquer le but de l'égalisation. Il y a du monde en soutien. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et oui, c'est réussi! C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart et voilà, c'est fait. 2 buts d'avance au tableau d'affichage. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Le ballon pour Rodminson. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. La frappe est bien contrée. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Une bonne contre-attaque peut-être. Une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Timo Werner. Le ballon pour Bentancur. Le ballon pour Kylian Mbappé. Elle est merveilleuse cette passe. Ah oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. Le corner. Un corner mal tiré et c'est facilement capté par le gardien. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Manuel Ugarte. Elle s'est reçue, il y a des solutions. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, réalisme, tout leur sourit. Il faut l'analyser, cette passe à la limite de hors-jeu. C'est une passe qui élimine la défense, c'est une passe qui est presque un dribble en quelque sorte. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Hugminson gagne du terrain. Il faut tenter le coup, pourquoi pas? Sans aucune difficulté pour le gardien. Ah, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Et le danger se précise. Le danger est toujours présent. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et qu'est-ce que j'aime, ces finitions, tout en maîtrise, tout en douceur. T'entends presque le chut du filet derrière. Kulusevski reçoit la balle. Avec Richarlison, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Avec Kylian Mbappé. Et le tir. Oh, quelle intervention magnifique! Un corner qui est bien ajusté.
sauvetage in extremis sur la ligne. Excellente intervention. Olé, le bon mouvement. Ouais, superbe défense. Oui, le ballon est intercepté. Avec Richarlison. Ah, le ballon est mal donné et c'est perdu. Il y a du soutien en attaque. C'est pour Kulusevski. Ballon pour Timo Werner. Ah, et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Madison. Marco Asensio à la réception. Et maintenant Hakimi. Un centre dans la surface. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champions. Il faut mettre